Alors voilà, donc je vous présente la cuisson de saumon plutôt en marmite. Voilà, donc j'ai fait pareil que j'ai fait avec la poêle, mais là je cuis comme ça, j'ai moins de rejet et puis c'est aussi tranquille. Vous n'êtes pas obligé de consommer le gras qui est tout autour. Hein. Voilà, donc c'est justement pour faire revenir les oignons et surtout faire entrer toutes. Tous les épices dans le saumon. Voilà, c'est pour compléter la recette de saumon que je vous ai présentée tout à l'heure en vidéo.